Numéro 3. Ya tatu. Les paroles d'éloge. Maneno mazuri. Et gratitude. Ya shukrani. Pouvant motiver l'autre. Yawezayo shitula mwingine. Kumutia biti. Mm-hmm. Dans un foyer. Katika unyuma. Dans un couple. Katika ndoa. Dans les gens qui s'aiment. Kwenye watu wanapendana. On doit se lancer des paroles d'encouragement. Yafa kuambiana maneno ya kuhimizana. Des paroles d'éloge. Maneno matamu. Des remerciements. Ya shukrani. Des reconnaissances. Maneno ya shukrani. Être reconnaissant. Kuwa na shukrani. Des gratitudes. Mizika matio. Ya kuwa mwenye kushukuru. Uh-huh. Reconnaître les efforts que l'autre fait pour vous et le foyer. Kuelewa na kutambua bidii ambayo mwenzako anakuwa nayo kwa unyumba wenu. Non pas être là. Usiwe hapo. Tonner toujours. Kazi yako ni kutomboka. Quand on a mal fait, wakati walikosea, il faut tonner. Yafaa kutomboka. Mais quand on a bien fait, lakini wakitenda mema, on ne dit pas merci. Hautashukuru. Quelle catégorie d'homme? Mtindo gani wa mume? Quelle catégorie d'homme? Aina gani ya mume? Tu as préparé la nourriture? Alipika chakula? Tu manges? Unakula? Tu sens que c'est très doux? Unahisi kwamba ni kitamu? Tu fais semblant? Unajifanyisha? Tu es méchant? Uko mwanaume mbaya? Dis à l'autre. Ambia mwenzako. Chérie, mpenzi. La soupe d'aujourd'hui. Hii supu ya leo. Mouah. Smart. En tout cas. Kweli. Vraiment. Tamsan. On t'a enseigné ça le matin ou tu connaissais ça? Non chérie, j'ai pris mon temps. Vraiment. Malheureusement, il n'y a pas de visiteurs aujourd'hui. Mais s'il y avait des visiteurs, ils allaient te donner 20 sur 20. Mina kikula mi peke, ningeli kichangia na wageni wangelienda wanakutapa sana. Demain, kesho, elle fera mieux. Atafanya mzuri zaidi. Le mari rentre fatigué, mais il a obtenu quelque chose qu'il vient de te remettre. Tu lui dis, je te vois que tu es fatigué, mais je suis heureuse d'avoir un brave mari comme toi. Quand je te vois, je sens que je ne me suis pas trompé de t'avoir comme mari. Tu te bats jusqu'à avoir cet argent. On allait nous chasser de cette maison, maintenant tu t'es battu, on a renouvelé le loyer, vraiment chéri. Bange tu fukuza mwai nyumba sasa unapata tena za kulipa nyumba baba. Tu es brave. Uko suja. En tout cas moi je savais qu'on allait nous chasser. Niliua kwamba watatutupia vitu nje. Et le mari dit. Bwana nasema. Quand même on reconnaît que j'ai renouvelé le loyer ici. Bibi yangu anaelewa kwamba nime. Mais voyez ni ma semblant. Toi, tu ne fais que des semblants, des semblants. Narizuri semblant. Et des bonnes choses semblant. Bibaya njuna tosha kinyo. Mais ce sont des mauvaises choses dont tu ouvres ta bouche. Mwenye hakuna chenye na furahiyaka. Quelqu'un dont il n'a jamais été pour quelque chose. Hawezi kuwa mwanamke mzuri, wala mwanamume mzuri. Pas être un bon homme, un bel homme ou une belle femme. Amen. Uko natapa bengine ba nje na uko na mtu wa brave mwako me mtu mwenye napiganisha kubitu fulani na uko na biona me unakuwa comme si hakufanya kazi. Tu es en train de vanter les autres de l'extérieur et tu laisses celui dont tu es avec et il fait des choses dont tu vois et tu fais comme s'il n'a rien fait. Bana. Non. Mwanamke analamka asubuhi. Une femme se lève le matin. Anakoropa. Elle torchonne. Anasukula masahani. Elle fait la lessive. Anaenda kule. Elle va des. Anaenda kule. Elle fait de. Anaenda kule. Elle fait ça. Anarudia magharibi. Elle rentre le soir. 20h. À 20h. Elle kumakala ku barabara. Elle était debout sur la braise à la route. Nanarudia. Elle rentre. Na iko na vyote. Avec tout. 15 minutes. Dans 15 minutes. Chakula inaivi. Le repas est prêt. Kumbe alilala na licha alienda na mechamusha supu. Pourtant elle était partie étant déjà fait. Elle avait déjà préparé la. Quelques minutes après na kutilia chakula kumeza. Dans quelques minutes elle te donne le repas sur la table. Ungelipashwa muuliza. Tu pouvais lui demander. Sai unaivisha. C'est maintenant que tu. Mio hivi. Dans quelques minutes, tu viens. Est-ce que l'ivi a quoi? Est-ce que vraiment ça, c'est prêt? Unaonja. Tu goûtes un peu. C'est terrible. Et tu dis, c'est terrible. Nikita Musa. Mais tu me kisha ni kubivisha sai. Mais là, qu'est-ce que tu as fait pour que ça soit iko, là où elle est. Iko nasema. Oui, mwanaume na yua kumbe kama niko spécialiste mon mapi. Ah, cet homme, il reconnaît que je suis spécialiste. Ah, oui, oui. Tu fais semblant. Mais tu fais semblant comme si n'a rien fait. Ça va vile haouoni. Il y a des paroles d'éloge. Kuna maneno ya letayo bidii. Dans le foyer. Katika unyumba.
Des paroles d'éloge. Maneno ya kuhimiza. Il y a des femmes qui ont des maris très intelligents. Kuna wake wenye kuwa na waume wenye hekima. Wenyakili. Les gens viennent les chercher à la maison. Watu wajapo watafuta nyumbani. Pour faire des services. Kuwafanyia kazi. Mais en aucun moment la femme dira je comprends maintenant que tu es très intelligent. Jamais. Hakuna siku bibi atambia bwanake naelewa kumbe kuwa uko na akili. Watu wanakuja kukutafuta tafuta. Hakuna, hakuna. Ehe. Hakuna. Ah bon? No 15 jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on a l'habitude de dire à l'autre wakati unazoea kambia mwenzako, les points positifs qu'on voit sur lui, hali nzuri unazoona juu yake, vous aurez la difficulté de l'injurier quand vous l'avez toujours dit le meilleur de ce qu'il est. Itakuwa vigumu kwako kufikia kumtukana wakati ulizoea kumwambia maneno ya kumsifu. Tu comprendras qu'elle a échoué. Mais de sa nature, il est bon. Yakuwa, lakini kwa maumbile ni mtu mwema. Kuko batu. Ndiyo. Ibaya njoba na unakatu. Seulement ce sont les mauvais côtés qu'il voit. Hawezi kuona kizuri cha mtu. Il ne peut jamais voir les bons côtés de quelqu'un. Jamais. Kisha unasikia mwanamke anakuambia. Tu vas entendre la femme te dire. Nani fanye vizuri? Que je fasse du bien. Nani fanye vibaya? Que je fasse du mal. Mwenzetu iko saha onake. Mon Dieu, c'est comme si il ne voit. La fanya binyi mimi najisikia. Je vais faire ce dont je me sens. Jukwa mwenzetu hana shukrani mu maisha. Parce que mon conjoint il n'a pas de gratitude en. Ah oui oui. Et qu'est-ce que la Bible dit? Sasa na Biblia inasema nini? Je vais vous donner un verset. Nitawapea. Colossiens 3:15. Wa Kolosai 3:15. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Eti amani ya Kristo ambayo kuipitia muliitwa kufanywa mwili moja idumu katika mioyo yenu na muwe na shukrani kwa hiyo. Mshukuru kwa hiyo. Watu wa kuwa na shukuru. Soyez reconnaissants. Muwe watu wa kuwa na shukuru. Soyez reconnaissants. Mwe watu wa kushukuru. Écoutez. Sikieni. Vous avez une bonne femme. Ukiwa na mke mwema. Vous parlez avec votre belle-mère. Unapoongea na mama mkwe. Dites des fois. Mara sema. Votre fille est fantastique. Binti wako ni ajabu sana. Et la belle-mère va dire à sa fille. Mama mkwe atasema na binti wake. Bwana wako alikutapa? Ndio ndio. Ton mari t'a vanté. Et la femme est dit. Il est arrivé à dire même à ma mère que ça y est bokeh. Amefikia na kuambia mama yangu ya kuwa mimi ni mwema kwake. Ah. Maana yake. Donc il reconnaît quand même que je suis importante pour lui. Ah, kumbe ametambua kwamba niko mwema kwake tu. Vous dites à votre belle-mère. Unaambia mama mkwe wako. Mama. Mama. Ulizala mwanaume. Avez vraiment inventé un Uzala garçon mzima. Vous avez inventé un bon garçon. Ni mume mwema kwangu. Vraiment. C'est vraiment. Mungu akubariki kunizalia mwanaume mzuri. Que Dieu te bénisse d'avoir m'enfanté. La belle-mère va dire à son garçon. Mama mkwe atambia kijana wake. Bibi yako iko nakutapa hapa. Ta femme est en train de te vanter ici. Sema uko mwanaume mzuri. Il dit que tu es un bel homme. Endelea vile unatuheshimisha. Kabisa. Continue ainsi. Cet homme manquera de traiter sa femme comment? Ule bibi atashindwa hudumia mke wake vizuri namna gani? Ule bwana Plito. Mutaniuliza. Vous allez me demander. Na kwa kaye. Comment est-ce que ça se passe? Ukipatia bibi yako kitu apatie mama yake. Si tu donnes quelque chose à ta femme pour qu'il donne à sa maman. Au unapatia kitu mamu kwe yako. Ou tu donnes quelque chose à ta belle-mère. Weye bibi unampatia. Toi la femme tu donnes à ta belle. Ah weye unapatia bibi apatie mamu kwe yako. Mm-hmm. Ou toi l'homme tu donnes à sa femme qui donne maana à ta. Maana yake nini? Qu'est-ce que ça veut dire? Ninashukuru. Ça veut dire je suis reconnaissant. Amen. Njo maana. C'est ce que ça signifie. Kupatia belle famille inakuwa ni maana kuambia ninashukuru. Donner à la belle famille ça signifie que je suis reconnaissant. Oui oui. Geuka nyuma kidogo. Tu peux tourner un peu derrière.
Do you see? Haiko concurrente wako. Elle n'est pas ta concurrente. Ni mama yako. C'est ta maman. Mukimtendea mema. Si tu lui fais du bien, unashikokotea mema. Tu seras en train de t'attirer des bonnes choses. Amen, amen. Oh, en tout cas, mieux si comprendre, maman, mon attend boitier tena bitu gali. Oh, vraiment, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que encore tu fais donner à maman? Moto analea mwanome wapata hivi mpaka mugradi wa ana mukupatia wapata hivi. Quelqu'un a gardé son enfant jusqu'à cet âge et elle te le donne à cet âge comme ça. Moto analea fie wapata hivi. L'autre a gardé une fille comme ça. Ana munyangula ana mukuremetre. Elle la prend, elle te le ramène. Sachet ya chumvi. Juste un sachet du sel. Yakumutumia pour lui envoyer ni ma calcul mref. Tu commences à faire de longs calculs. Kuza kikwembe à $12. Acheter juste un pain de $12. Unalamkia kwake. Tu te réveilles là le matin chez lui. Unamremettre. Et tu le remets. Mama nashukuru. Et tu dis maman je suis reconnu. Kisha unabakia na mshahara yote. Et puis tu restes avec tous les salaires. Mais ni ma calcul mref. Mais tu commences à faire mshahara yote ni yako. Tous les salaires t'appartiennent. $12 ya kikwembe. C'est pas $12 du pain. Na unaipana na maneno machungu. Et tu le donnes avec des mots choquants. Kuna watu wabapashwa barikiwa mu maisha. Il y a des gens qui ne sont pas béni dans la vie. Qui ne devraient pas être béni dans la vie. Hamunga lipashwa barikiwa kama maisha. Watu wasiokuwa na roho ya kupana. Les gens qui n'ont pas ce cœur là de donner. Hawange pashwa barikiwa mu maisha. Ces gens ne devraient pas être bénis. Vraiment. Mtu anayesikia uchungu bakipatia bakwa. Mtu anayesikia uchungu kupatia bakwabo bwana yako. Bakwabo bibi yako. Bikwe exercice très difficile. Quelqu'un qui sent l'amertume quand on donne à sa belle famille. Mm-hmm. Et que ce soit un exercice très difficile pour lui. Vraiment. Amen. Amen, amen. Mukipenda munyamaze. Mina yua kila mtu konaona bia kwake. Mina rayua muna nyamazaka sabiko binakera muro. Mafu. Vous taisez quand ça ne fait pas du bien dans le cœur. C'est l'évangile. Musiseme ata amena mkwe kimya. Restez avec vos amen, soyez calme. Nguo ya mwisho ulituma kwabo kwabo belle famille yako. Ni turu gani ya mwisho ilienda siku gani? Le dernier habit, tu l'as envoyé. Quel jour le dernier habit tu l'as envoyé à ta belle famille? Quel sachet jour? Ya chumvi ya mwisho ni ya siku gani? Le dernier sachet du sel, c'est de quel jour ça? Huyu mwanamke alitokaka kumuti. Vous croyez que cette femme a été tirée sur l'arbre? Même si batu bako na moyen. Même si les gens ont des moyens. Kya kutoka kumutoto kinakuwa kabutamu. Amen. Ce qui vient de l'enfant ça a toujours été bon. Na msiwaze seme kumpatia ni juu ni maskini. Et ne pensez pas seulement vous allez lui donner parce qu'il est pauvre. Ni façon ya kumwambia na shukuru. C'est la façon de lui dire je suis reconnaissant. Vraiment. C'est juste. Ça mon akorogana. Mais quand vous allez vous quereller. Unalamuki yako. Vous vous réveillez là le matin. Ulisha kwa rafiki yabo. Tu es déjà leur ami. Bote bana jizunguruka. Tous vont se mobiliser. Kama habaamini bana sema hii pumbafu nataka fukuza mtoto. Si ne crois pas ils vont te dire c'est insensé veux chasser cet enfant. Pita mbele mimi nakusindikiza. Passe ici devant je t'accompagne. Mtoto wangu fulani. Mon enfant tel. Umuguseko. Et c'est seulement comme mimi njo mama yako. Si c'est moi qui suis ta maman. Uongeze tena. Ose encore. Je lui créé mon rafiki. Parce que tu as créé l'amitié. C'est lui je mfanya adui. Mais si tu le fais maintenant. Ça bwana takukomplike. Quand le mari va te utakimbilia kwa nani? Par où tu vas fuir? Amen. 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 Amina. Amen. Soyez reconnaissant. Mouwe watu wa kwa na soyez reconnaissant, soyez reconnaissant. Mouwe muna kwa na shukrani. Et je vais vous le dire. Na nitaiwaambia. Et je vais le répéter. Na nitairudilia. N'oubliez pas ceci. Musisahau hii. Ne dites jamais j'ai doté. Enyi waume, msiwe na kwa na ile tabia kusema nilipana mali. Ne dites jamais je t'ai doté. Usiwe na ambililia bibi yako nilikupana kwa mali. Aucun parent ne mange la dot. Hakuna mzazi mwenye anakulaka mali. La dot vient mali na kuyaka. Il y ajoute encore. Baba ya musika anaongezea parce qu'il veut donner honneur au mariage de sa fille. Wakati baba anataka heshimisha
Arusi ya binti wake anaongeza pesa kuzenya lipo. D'ailleurs la dot ne suffit pas. Na kwanza ile mali haitoshele yake. C'est par honneur qu'on le reçoit. Ni kwa heshima tu mali napokelewa. Ça c'est vrai? Ndio. Alors soyez reconnaissant. Sasa muwe mnakuwa na shukrani. Il faut toujours dire on me l'avait donné gratuitement. Uwe unasema kwamba nilimpewa bure. Je l'avais reçu gratuitement. Na mke nilimpewa bure. Parce que même la petite dot que j'avais donnée. Haiko mali kidogo nilipanaka. N'a pas suffi. Haikutoshaka. Si tu veux le savoir. Kama unataka ijua. Demandez à ce monsieur. Uliza ule bwana huyu. Muulize. Lui. Yeye. Ce qu'il a fait. Vienya alifanyia binti. Pour l'amener ici. Kwa kumufikisha hapa. Demandez à tous les hommes qui ont marié leur fille. Uliza kila mume aliyekwisha oesha binti wake. Combien le mariage pèse. Namna ndoa inakuwa kabuzito. Ça coûte combien chez la famille de la fille. Munawaza inakuwa na gharama gani kwabo na msika. Soyez reconnaissant. Muwe munakuwa na shukrani. Soyez reconnaissant. Muwe watu wa kushukuru. Ukishaona mwanaume anaanza kukukompare na mali alikupana kako, ni nyama ya mtu. Haiko mtu. Ni mume nyama. Ni mume nyama. Ndio ndio. Na Biblia inabaita mkorintie les hommes animal. Eti watu nyama. Quand tu découvres qu'un homme commence à te comparer avec sa dot, aïe, ça devient un homme animal. Vraiment, sincèrement. Nilipana kamali yangu. J'avais donné ma dot. D'autres. Vous pouvez vous imaginer que la parcelle soit chère plus qu'une femme. Munawazia kuwa muna habibalume kuona parcelle iko na bei kushinda mwanamke. Ndio. Shinda mtu kabisa. Ndio. Kisha wanamkupatia unamcheza amu. La don't commence à jouer avec elle comme ça. Kutumikia parcelle binachokesha kule kutumikia mali. Ndio. Travailler pour une parcelle c'est difficile que de travailler pour une dot. Oui oui. Kisha banyangule mtu bamukupe. Maintenant qu'on prenne la personne on te la donne. Na kuye kuwa mwanamke mzuri. Et qu'elle soit une bonne femme. Na usibisemake. Et que tu ne le dises. Vraiment. Kuko bitu byenye iki kizazi kinapashwa kusiritwa. Il y a des choses qui méritent pour cet âge qu'on puisse vraiment d'être récuré. Jokusirita. Récuré, pas na reculer, récuré. Kusiritwa. Jokusirita. Watu wanafika kunivaa kusema Emma, les gens arrivent. Nikimwambia atakuwa na kiburi. Ah, si je le dis, elle sera orgueilleuse. Atajivuna. Non, pas cette honte. Hapana, hapana. Twende tu ma kwenye ndaisha mafu kwenye ndaisha ndaisha tu pale. Par là où je dois m'arrêter, je m'arrêterai par là. C'est comme obligé. Si shurti shurti. Poussez à bout. Ujumbe unaoitwa kusukumwa hadi mwisho. Paragraphe 69. Mtajo wa 69. Comment pouvez-vous avoir la foi de votre femme? Sasa utatumainia mke wako namna gani? Si vous ne l'aimez pas. Usipompenda. Ça. Hii. C'est dans l'amour filéo. Ni katika upendo filéo. Eh bien. Vema. Qu'en est-il de l'amour agapao envers Dieu? Vipi sasa na upendo agapao kwa Mungu? Comment cela peut-il se faire si vous n'aimez pas Dieu? Yaweza wezekana namna gani usipopenda Mungu? Si vous dites que vous aimez votre femme. Ukisema kuwa wampenda mke wako. Et que vous ne le lui dites jamais. Na hauya vimwambiaka kamwe. Et que vous ne vous assoyez jamais pour lui faire l'amour. Na hauya ikalaka ufanye mapenzi naye. Pour lui exprimer cela. Kwa kuvimuonyesha. L'embrasser. Kumbatia. L'étreindre. Kumterekenya. Lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays. Alléluia. Unaambia bibi yako ya kwamba yeye ndio pishi wa kwanza wa muinchi. Tout ce que vous savez. Yote unayojua. Combien elle est belle. Alléluia. Eti umwambie kwamba namna ni mrembo sana. Et combien vous l'aimez. Na namna unavyompenda. Si vous ne faites pas cela. Usipofanya vile. Elle ne le saura jamais. Hakuna siku atavijuaka. C'est comme ça. Ni hivyo. Si vous l'aimez vraiment. Ikiwa kweli wampenda. Vous exprimerez cela. Utavionyesha mu matendo. Amen.
citation à l'appui. Tumetoa shairi na mtajo wa ujumbe. Si vous l'aimez vraiment, kama kweli wampenda mke wako, vous exprimerez cela. Utavionyesha wazi.